Je sais pas, c'est pas trop mon délire, on en a déjà parlé plein de fois. Mais c'est la dernière fois qu'on a cette discussion. Gringe, dis-nous ce que tu penses de la prostitution. Des fois tu trompes ta meuf, ouais. Mais tu te sens limité, ouais. Bah retiens ça, 50 c'est le prix de la tranquillité, hein, 50. Le meilleur moyen de te vider sans te faire piquer, c'est certifié, pensez avant de critiquer. Fini les appels nocturnes, les numéros masqués, le stress de te faire péter chaque fois que tu la sens vibrer. À toi qui a jamais su tricher sans justifier, dis-toi qu'il y a que Jésus qui a pas menti. Résultat, crucifié. Amen. Les putes c'est comme une séance chez le psy. Le petit plus c'est que pour le même prix t'as une personne qui consulte et qui te suce. Sans barrière de langue ni distinction d'âge. Moi j'avais même pas 20 ans, j'ai vite chopé le virus, c'était la même chaque jour. J'élaborais des plans savants pour me faufiler de chez moi jusqu'à ces J9 de l'amour. 3h du mat commence le compte à rebours. Sors de ma chambre en prenant soin de respecter les étapes sur mon parcours. D'abord les poches de mon père, clé de voiture. Puis passer par la fenêtre, sortir dehors, mettre mes chaussures. Clé sur le contact, attendre qu'une voiture passe. Camoufler le bruit quand je démarre. Rouler un peu plus loin pour mettre des phares. Puis direction la gare sans qu'on m'arrête. Non, j'ai pas le permis. Prise de risque maximale pour public averti. Ma première expérience dans un camtar, j'entends ces petites voix qui me disent. Alors, une MST, c'est quoi, Jamy? Tu trouves quand même des bonus compris dans le prix de vente. Kosovarde ou béninoise, champagne master en langue vivante. Ressens des pulsions lancinantes, une douce chaleur qui t'emplit le ventre. Découvre un monde aux saveurs enivrantes. La sueur de 15 clients incrustés sur un matelas moite. Le parfum des lingettes pour bébé qu'elle se passe dans la chatte. Les lampes à pétrole, l'odeur du sperme. Les corbeilles pleines de capotes qui seront comptabilisées par un Mac. Et pendant que t'es là et que tu fais tes affaires, une deuxième fille dort à l'avant. Les putes travaillent souvent par paire. Crois-moi, c'est le genre de truc qui détendra même les plus complexés. Vive le camtar et sa promiscuité. Y'a deux écoles, les staff et tout l'hôtel. Aller chez l'habitant ou choisir l'ennui d'un voyage organisé. Vois pas la chose avec effroi. Dis-toi que les femmes ont besoin d'une raison pour le faire. Nous, juste d'un endroit. Donc j'ai attendu la tapis dans la pénombre. En attendant mon tour, j'angoissais, je comptais les secondes. Excitation féconde, mais laisse-moi dire le plus kiffant. Une chance sur deux d'attraper le tas. Y'a plus lubrifiant et j'appelle ça l'amour du risque. Explore ton côté sombre. Remonte le col de l'utérus plus vite que Lance Armstrong. Moi j'ai vite appris à calculer leur vice, penses-tu? Ma bite coincée entre ses cuisses en période de menstru. Mais je flirte avec le sordide, je me débine pas. Je sais que l'argent que je lui file va servir à payer les couches et le blédina. Ne surtout pas tomber dans l'empathie, crois-moi. T'es dans la merde si tu commences à faire ton délicat. Là elle jouera sa carte fragile et consentante. Et toi, bah tu te feras alléger les couilles et le compte en banque. Et c'est une règle de base dans un rapport que tu monnayes. Te laisse pas attendre sous peine de te faire soutirer plus d'oseille. Réprime ta morale, assouvis tes pulsions. Découvre que rapport payé donne plus d'excitation. Impassible et stoïque, une pute n'éprouve pas d'émotion. Si tu la fais cligner d'un œil, t'as rempli ta mission. En résumé, du sexe, du stress et des tas de frissons. Le plus vieux métier du monde perpétue la tradition. En équipe mieux qu'un laser quest, tu perds, t'as plus qu'à faire le test. Vénard si tu t'en tires juste avec un herpès. Les putes et moi, une grande histoire d'amour. Mes premiers émois, mes premiers exploits, première tranche de bravoure. Combien de fois j'ai fait le tour du rond-point pour la 15e fois. Toujours le même frisson quand je parle des putes et moi. Alors, toujours pas convaincu? Je suis toujours pas très chaud. Bah vas-y, finis la discussion. Aurel, dis-nous ce que tu penses de la prostitution. J'entends souvent, pour baiser j'ai pas besoin de payer. C'est bien d'avoir sa fierté, moi je l'ai fait. Avant 18 ans j'osais pas tester. Comme j'habitais pas très loin, j'observais leur va-et-vient, je rêvais. Je voyais des mecs perdus et des caisses de PDG. Des pères de femmes y prendre des putes avec leur siège bébé. C'est vrai, j'ai sauté quelques repas pour essayer. Comment c'était? À chier, chaque fois j'ai regretté. T'es loin du glamour de Pretty Woman. Quand tu te retrouves à rentrer mou dans une vessie toute crade. Quand l'odeur des types d'avant est limite soutenable. Quand tu comprends, casse-toi connard quand t'es dit goodbye. Je suis rentré chez moi, plastique sur la bite tout pâle. J'ai mis 3 mois avant d'arrêter de me sentir coupable. Et puis j'y suis retourné, ah bon, quelques fois pour vérifier. On m'a dit de jamais rester bloqué sur mes premières idées. J'étais fixé, jean baissé entre deux pare-chocs. J'arrive à penser à rien d'autre qu'à l'accident de capote. C'est qu'une grande carotte, sauf si t'aimes les plans femmes mortes en période de règles. J'aime les trucs sales dans des endroits propres, c'est tout le contraire. Les lingettes désinfectantes, ça me bloque. Et mettre tellement de lubrifiant, tu peux rentrer sans que ça frotte. Autant tremper ta bite dans la flotte. Peu importe ce qu'elle fait avec ses mains, elle en a rien à branler. J'ai déjà pris plus de plaisir chez le médecin. C'est bien si les putes t'excitent, mais j'ai vu des bouchers, des coupes et des poulets d'une manière plus sexy. Si tu crois qu'une pute gémit, t'as dû entendre un soupir. Si elle te refile des chlamydia, tu repars avec un souvenir. Oublie tes fantasmes et s'en tape de tes problèmes sexuels. Les putes n'ont aucune conscience professionnelle. Quand elles s'écartent à moins d'un mètre pour aller pisser, tu vois que le service après-vente laisse à désirer. Je m'en bats les couilles de leurs clichés, plein de préjugés, mais c'est quand même bizarre de pénétrer les réfugiés. Bon, j'ai quand même tenté une autre approche. Nouveau compte en banque, nouvelle décadence, nouvelle girlfriend, expérience. Pour faire avancer la science, j'ai trouvé des sites d'escorte et j'ai tenté ma chance.
Pour les plus bonnes, j'attends toujours qu'on me rappelle. Pour les autres, tu connais l'expression. Photo non contractuelle. La première était tellement moche, mon cœur s'est arrêté. AVC. Tu me crois que j'ai baisé quand même pour pas la vexer. Le temps de digérer la honte. Et je suis chez une femme ronde avec une sale tronche qui veut que je crache en 3 secondes. Doit y avoir un chronomètre dans sa chatte blonde. C'est pas dans l'annonce qu'il fallait baiser contre la montre. Ces pauvres vénales gâchent tout parce qu'elles jouent très mal. Prends tes 200 balles et va te payer des cours de théâtre. C'est plus fort que moi, je veux toujours qu'elle me trouve spéciale. J'ai trop d'ego pour être un coup banal, je fais tout le travail. C'est elle qui devrait me payer. J'essaie de les mettre à l'aise au point que ça me fait stresser. Je passe les 30 premières minutes à bégayer. Quand je lis les annonces et quand elles se barrent, c'est mes moments préférés. Des trottoirs au camtar, aux maisons closes, aux vitrines. Qu'elles arrêtent de se plaindre, c'est toujours moi la victime. J'ai perdu beaucoup d'amour propre et un peu de money. Quand je suis à deux doigts de craquer, je me dis que la capote aussi. Les putes et moi, une suite d'histoires lamentables. Crois-moi, oublie les films de boules que t'as dans le crâne. C'est qu'une grande arnaque ou peut-être que j'ai pas le mental. Rendez-moi mes 50, mes 100, mes 300 balles. Les putes et moi, une grande histoire d'amour. Mes premiers émois, mes premiers exploits, première tranche de bravoure. Combien de fois j'ai fait le tour du rond-point pour la 15e fois. Toujours le même frisson quand je parle des putes et moi.